Radio-concert continue par la prière d'une vierge, exécutée par célèbre pianiste Léontine Catastrophique. Vous venez d'entendre une exécution capitale et définitive. Le marchand a un peu d'étrangers maintenant. Voici l'heure du service religieux à Barcelone. Ils seront très croyants là-bas. C'est excessivement émouvant. Tenez, regardez bien. 90 moins 7 8e 32 à gauche. 125 plus 14 2e à droite. Ça ne rate jamais. Tenez, écoutez les prières espagnoles. Le haut-parleur. Ramona, la chemina du haut en bas. Ramona, ferma la porte à cause du chat. Le marchand, quoi, c'est pas ça. Mais cet appareil-là donne tous les pays. Tenez, voilà la Russie, bon sang. Vous croyez que c'est pas quelque chose de fou que d'entendre comme ça la Russie les doigts dans le nez? Non mais écoutez la Russie. Le haut-parleur. Le marchand, eh ben, mais ça, c'est les cloches du Kremlin. Comment le Kremlin Bicêtre? Pas du tout, moi je vous dis que c'est Moscou. D'ailleurs, on entend très bien parler en russe. Tenez, écoutez-le, le russe, c'est admirable. Tenez, mais écoutez, tenez, c'est du cosaque. Le haut-parleur, n'oubliez pas dans vos déplacements et villégiatures de vous servir de la pâte de homard, la seule qui décolle les mouches et fusille les moustiques. Le marchand, quoi, qu'est-ce que vous avez à rigoler? Je me suis trompé de numéro, ça peut arriver. C'est des appareils à grande envergure, ça, voyons. C'est tout de même pas aussi compliqué que de faire un œuf dur. Quoi? Hein? Quoi? Quoi, vous voulez essayer? Oh là là, allez-y. Ouïe. Oh bon Dieu, ne tournez pas les manettes si vite. Comprenez-vous? Vous allez énerver l'appareil, et puis il sera tout fou. Le haut-parleur dans les mains du client. Les Bruno sont peut-être un peu moins chers, parce que s'il est comme lui, on va voir il y a trois fois. Le mois de février, le mois de France, tout au moins, les fichets, donc embauchés dans le poulet, à 3,90, à 7,20, tout de même. Notre émission est terminée. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.